On garde ça au fond de soi, on s'en souvient toute sa vie et c'est un échec. Comme quand on gagne des titres, on est associé aux victoires. Là, quand l'équipe marche mal et quand on est mis sur le côté, c'est effectivement un échec personnel. Le tout, c'est d'avoir confiance et de savoir ce que l'on a fait, quel est aussi le potentiel que l'on a. Et cette capacité aussi, parfois, à rebondir, à se remettre en cause et à toujours chercher à être performant et savoir justement dans ces moments-là ce qui n'a pas marché. Ça peut être aussi un aiguillon. Et avant, on avait pour habitude de dire qu'on devenait un bon entraîneur quand on avait été licencié vraiment une fois en cours de route. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'expérience de l'entraîneur.